au milieu des années 50, alors que le Japon panse encore ses plaies, des bandes de criminels terrorisent le pays tout entier. Ils s'organisèrent vite et devinrent les Yakuza. Cette société parallèle est régie par des règles très strictes de loyauté et de chevalerie. On les appelle le Jingi. Celui qui viole le Jingi est voué à toute une vie de représailles et de tourments. La voix du Jingi régit la vie et la mort de chaque Yakuza. Ceux qui ont peur des balles découvrent le visage de la mort. Moi, je fais exploser les mines de peur rien qu'en les regardant du coin de l'œil. Ça va scier les murs. Ça, c'est du duel.
Me rate pas. Je comprends pourquoi. On t'appelle Mad Dog. C'est bien ça. Iwaki, Chozo. Et vous, vous êtes qui? Dites-moi. Disons qu'on travaille pour le gouvernement japonais. On vient t'apporter des nouvelles de ton père. Il y a 6 mois, ton père, le chef de la famille Iwaki, a été assassiné pendant le conseil des Yakuza de l'Ouest. Il a reçu 88 balles dans le corps. Mais ça ne l'a pas arrêté. Il s'est vengé. Juste avant que son cœur arrête de battre, il a regardé le ciel et il t'a appelé. Chozo ! Quelle vieille chialeuse ! C'était un vieux crouton. Espèce de bon à rien ! Pour qui est-ce que tu te prends ? Ton âge d'or est terminé. Tu n'es plus rien. Laisse-moi tout diriger. Et va plutôt apprendre à coûter ! Sale petite raclure arrogante ! C'est tout ce que tu auras ! D'accord, ça me va. Tranche-moi la gorge. La prochaine fois que tu oses venir me voir, je le ferai. Tu devras me tuer ou tu devras mourir. C'est bien ce que je comptais faire. S'est délité. Et puis nous voilà, la famille Shimada, messieurs. Les Kurawaki et les Shimada. C'était les hommes de main du fils du chef. Il est parti trop longtemps, alors ils se sont installés à la tête de la famille. Vous avez compris, monsieur Kurawaki est le chef suprême des Yakuza. Alors maintenant, cassez-vous. Qui est derrière toute cette connerie? Pas d'insolence ici. Hé, hey, les gonzesses, personne ne vous a jamais dit que le fils d'Iwaki était un beau gosse, pas vrai? Qui c'est ce mec? Qui sont les enfoirés qui me dérangent pendant que je pose ma pêche? C'est eux, les associés d'Iwaki. Le grand là, il arrête pas de parler du fils d'Iwaki. Le vieux avait un gamin, vraiment. Ce gros con de Chozo, c'est ça? Cette grosse pine vitre serait encore vivante. On dit que sa mère a oublié de lui faire un cerveau. Il fermait les yeux et il fonçait dans le tas. Un vrai petit clébard derrière une voiture. Mais devant moi, il baissait son froc, en se frottant à ma jambe et en miaulant comme un petit chat. C'est trop fort, j'étais juste un petit chat fou dans ma chenille. Miaou! Thank you.
d'enthousiasme de votre part. Je n'aurais pas pris la peine de venir, moi, Kurawaki, si ce n'était pas pour tendre la main à tous les chefs de famille Yakuza. Nous avons veillé sur toi depuis que tu es tout petit. Et c'est comme ça que tu nous remercies. Je vais être très clair avec vous. J'essaie simplement de vous protéger de vous-même, c'est tout ce que j'essaie de faire. Et en échange, vous me remerciez en décidant de rejeter mon offre. Les pistolets et les sabres, tout ça est devenu complètement obsolète. Aujourd'hui, c'est le business, notre maître à tous. Comment oses-tu parler des Yakuza comme... Non, il a fini, les amis. Pour résumer ta pensée, tu veux que toutes les familles soient réunies sous ton nom. Seulement aucune famille du Japon ne l'acceptera. Si tu veux vraiment le contrôle total, tu devras déterrer la hache de guerre. On m'a dit que tu avais trahi Iwaki. Alors, les hommes qui ne respectent pas les règles, nous avons une façon de les traiter, si tu vois ce que je veux dire. Le Jingi, c'est ça? Le business ne souffre d'aucun sentiment d'aucune sorte. Disons que c'est plutôt ça, mon Jingi. On perd notre temps. Allons-nous-en! Vous êtes trop vieux et trop faible pour agir. Acceptez le cours du temps. Chozo, mon vieux pote de deux jours, pitié! Shimada, tu n'as jamais eu assez de couilles pour organiser un tel coup d'état tout seul. Alors, Kali, où on en est? Ton 18 par 4, il n'y aura aucun signe dedans. Je jure que j'ai rien fait du tout. Je gère ce magasin de faux crédit, rien d'autre. Ah oui, force du vent, zéro. Joli swing. Oui, je crois que c'était pas trop mauvais comme coup. Chozo, arrête, je t'en prie. C'est pas moi qui t'ai tombé. Donc c'est l'autre trou du cul qui a buté mon vieux. Nayoko, si tu savais comme tu m'excites, quand t'étais encore au collège, je mastiquais tout le temps en pensant à toi. Kurawaki, tu me débectes. Tes parents t'avaient promis en mariage, comme le veulent ces vieilles traditions débiles. Et je n'étais pas assez gradée pour être autorisée à te parler. Je suis sûre qu'il va revenir. Est-ce que tu me trouves plus à ton goût aujourd'hui? Je préférerais encore épouser une mitochondrie en fin de vie plutôt que de me marier avec toi. Ça, bordel, c'est une vraie gonzesse. Elle t'a encore parlé de cet affreux crétin? Ce gros débile ne reviendra jamais. À mon avis, cette tête de pioche est morte et enterrée sous un amas de détritus à l'autre bout de la terre. Sayonara. Oui, qu'est-ce que c'est? Alors, ça se tire la nouille, Kurawaki? Ça te plairait de petite partie de golf? Mais c'est ce gros con de Chozo. Je suis sur le green du dernier trou, ça te tente? Attention, ça va chialer très fort. Pas trop! Sauvez-moi! Shimada! Max swing d'enfer, Mimi! C'est un joli coup! Non, Shimada est tellement nul que j'arrive pas à jouer à mon meilleur niveau. Je préférerais jouer contre toi. T'es juste une petite mouche amère t'attardée. Et t'as tout à fait raison! Parce que je me sens attiré exactement vers toi. Je crois qu'il va tâter de nous faire. Dis, dis, chef, où est-ce que ce Kurawaki de mes deux se cache? Il a peur de nous! Attends un peu. Il a toujours été ici, ce building? Oh! Il doit sûrement se cacher là. Ce minable, je suis sûr qu'il est en train de nous épier. Je le ferai redescendre sur Terre, après m'être amusé. Tu me disais... Chozo, tu vas me le payer!
Dès que je reviens, je t'épouse. Dis, chef, c'est bon, la voie est dégagée. Ok, on se la joue tranquille, ça marche. Ici, c'est un bar respectable. On ne sert pas des conneries de carbonara. Petite ordure, reviens encore et je te crève. Salut l'ancien. Bah, rien n'a changé à ce que je vois. Petit chef, t'es toujours entier? Écoute, je vais prendre comme d'hab, s'il te plaît. Et un spaghetti au ketchup du chef, hein? Et un milkshake au melon, avec les compliments de la maison. C'est parfait! Il vous a pas fallu longtemps pour vous créer des problèmes, hein? Kurawaki envoie ses hommes partout pour vous chercher. Quel sale trou de pin! Je vais leur buter leur tronche, moi, c'est débile! On dit que Kurawaki est devenu très puissant. Il y a certaines rumeurs qui disent qu'il est affilié à une grosse mafia étrangère, un syndicat du crime surpuissant. Il veut réunir toutes les familles de l'Est et de l'Ouest. Pour ses lauriers, le Japon doit l'acclamer comme un roi. Pas si nul que ça. Il se débrouille plutôt bien. On dit aussi que le syndicat étranger veut vendre une drogue 100 fois plus forte que l'héroïne aux Japonais. L'hyperdrogue, c'est le nom de ce poison mortel que Kurawaki achète. Ce mec est un salaud. À l'époque où il travaillait encore pour mon père, il avait juré de jamais toucher à l'héroïne. Mais c'est mieux comme ça. J'aurais une raison supplémentaire de lui faire avaler tout entier ses gencives. C'est gelé. Et bouge pas, petit chef, je vais t'apporter des mouchoirs. Personne n'a tenu aussi longtemps contre moi. J'avoue que tu m'impressionnes. Je pensais que t'étais juste le gentil petit fils à son papa. Je me trompais. Tu as l'âme d'un vrai dur. Le combat n'est pas terminé. Dans ton cœur, pas encore. C'est ça, ce coup de latte pour tous ceux qui me traitent de fils à papa. Cette règle s'applique à tous. Je vais t'envoyer en enfer. Fais tes valises. C'est déjà trop. Ça suffit comme ça. Ta gueule! Ah, il frappe plutôt bien. Je savais pas du tout. Attends donc qu'il vieillisse. Il fera moins le malin en fauteuil roulant. Un jour, je vais me le faire. Je crois que j'aime ta façon de voir les choses. T'es cool. T'es cool aussi, à ce que je peux voir. Non, mais parce que... Pourquoi il nous a attachés aussi collés d'abord? Tu pues la sueur. Tu te fous de moi, c'est toi qui sens le fennec. Shuzo, tu es le dieu du tonnerre, et moi je suis le dieu des tempêtes. Chaque fois qu'on se rencontre, on se bat. Nous vivons pourtant sur les mêmes nuages, tous les deux. Ça, c'est de la phrase. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait devenir frères de sang. Ouais. Et comment on fait? Bah, c'est facile, je vais te montrer. Entre nous, maintenant, c'est à qui dominera le monde, le premier. T'as perdu d'avance parce que c'est moi le meilleur. Silence! Ferme ta grande gueule! Patron, qu'est devenu Tetsu? Il est en prison. Il paie pour les crimes que les membres de sa famille ont commis. Personne n'a de nouvelles depuis son incarcération. Ça, ça lui ressemble. Takuzo, Santaro, on est prêts? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire, petit chef, hein? Les insectes volent toujours vers la lumière. Alors on va allumer des flammes. Un gros paquet. Shifumi. C'est magnifique, pas vrai? Je le laisse un peu trop s'amuser. Il est grand temps de lui apprendre la discipline à cette grosse bouse de vache. Enfoiré! La prochaine fois, je lui fais bouffer ses chaussettes dans sa tombe. Nayoko, je sais que ça ne me regarde pas. Mais dans la vie, plus on s'accroche à un homme et plus il fuit. C'est comme ça, ce sont des bêtes peureuses. Surtout un homme comme Shuzo. C'est ma seule faiblesse. Ce
et la maison qui régale. Qui est là? Uniquement pour protéger la famille. Et c'est comme ça qu'on me remercie. Dis-moi ce qui s'est passé. Désolé, petit chef. Nayoko a été kidnappée. Kurawaki, espèce de grosse merde. Monde et des belles nattes tressées. Comme il y a 7 ans. Tu t'habillais toujours comme ça. Enfile-les. Ne touche pas. Si j'ai appris une chose de cette tête de pioche, c'est que quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens de l'obtenir. À mon avis, avec ta petite queue, tu fais pas plus de mal qu'un moustique. T'es belle comme un papillon. C'était quoi ça? Chazo! T'es ouf, fouille verte! Après Yakuza de Palais Royal, alors tu vas descendre! Comment il a pénétré dans l'immeuble? Non, mais c'est quoi ce merdier? Kurawaki! Allez, descends un peu tard! Un petit voyou minable comme toi, tu dois se battre pour prouver ta vraie valeur! Je serai gentil, enfin au départ!
et qu'est-ce qu'on fait? Tu veux te battre, alors monte! Enfin, si tu y arrives, sale connard! J'ai posté un tueur. Ce sont les combattants les plus balèzes. Ils sont tous invaincus et tu ne les battras pas. T'as fini ton petit discours? T'as dû prendre à t'en fous d'engager tous ces demeurés. Ces demeurés sont des vrais tueurs. Tu ne passeras aucun d'entre eux. Takuto? Oui? Qu'est-ce que... J'ai pas l'intention de monter, mon gars. Par contre, je vais te faire descendre. T'es vraiment débile. C'était quoi? Est-ce qu'on va enfin me dire ce qui se passe, bordel? Hein? Regardez. Eh oh! Kurawaki! Shozo! Alors je me suis arrangé autrement. Comment t'es monté là? Te fous pas de ma gueule, gros débile sans cervelle! C'est ça, et on t'a forcé à mettre ce costume peut-être? Change pas de sujet, t'as failli me faire exploser! Gueularde! Bon, je monte, bougez pas! C'est l'heure du Kejime, les gars, et ça va pas être drôle! C'est une effroyable erreur, je n'ai absolument rien fait de mal! C'est pas ce qu'on m'a dit. Il paraît que t'as fumé mon paternel. C'est faux! Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, mon gars. Petit chef! Merde! Viens te dégager! Oh, désolé, autant pour moi! Déjà rencontré.
On t'a dit que nous étions des agents du gouvernement. Mais ça manquait de précision. Je suis un agent spécial du Premier ministre. Akao Toraiko. On m'appelle le Tigre Rouge. Monsieur Shozo Iwaki, je vous arrête. À ta place, j'éviterai de résister. Personne ne se met jamais à ma place. Et on ne m'arrête pas non plus. Espèce de petite salope. Shozo, non. Petit chef, bande de salauds. Qu'est-ce que vous voulez faire? Petit chef, petit chef. Je vais faire de toi le Yakuza le plus puissant de tous les temps. Je suis déjà le plus fort. Il avait raison, chef. C'est un super plan. Tatsuyuki. Qu'est-ce que j'ai de plus que Shozo? Qu'est-ce qui va faire de moi le meilleur Yakuza? Tu as raison, mon atout, c'est toi. Mon allié fidèle, tu es un avantage incontestable dans ma lutte pour le pouvoir. Mais j'ai quelque chose d'encore plus grand. Une chose qu'il ne pourra jamais obtenir. Ma force. Tu as compris. C'est un cerveau. À table, c'est l'heure de la dose. Je te quitte. Voilà. Merci pour tout ce que tu as fait. Yasuo. On dit que tu rejoins la famille Iwaki bientôt. Bien. Salut-les de ma part. Tu m'as dit que tu arrêtais. Tu m'avais juré que tu arrêtais. Tu m'avais promis. Arrête. Dis-moi, Sumire. Est-ce qu'un jour, je deviendrai meilleur que Shozo? Tu devrais prendre ça. Ça fera disparaître ta douleur. Qu'est-ce que c'est?
Et ça t'aidera à le surpasser. Battre Shuzo. Nous avons les meilleurs chirurgiens du Japon. Tout se passera très bien. Mais il faut vous croire. Mais enfin, vous êtes qui? Je pense que Tigre Rouge vous l'a dit. Nous sommes des agents du Premier ministre. Oui, mais... j'ai jamais pigé la politique. Vous êtes sûr d'être qui vous êtes? Officiellement, nous n'existons pas. Nous ne sortons au grand jour que quand il y a une véritable menace pour le Japon. Nous travaillons pour le Premier ministre et nous sommes tenus par serment au secret. Nous avons un permis de tuer en cas de nécessité. Ça sent la connerie de film américain. Où est-ce qu'on est ici, d'abord? Si votre agence était aussi puissante que ça, cette pièce serait plus grande que Versailles et le palais de l'Empereur réunis. Qui te fout bien de notre gueule, ma jolie? Comme je l'ai dit, nous sommes des agents secrets. Ce qui implique, comme vous l'imaginez, de la discrétion. Cet endroit est une excellente cachette pour nous. Ça suffit, les blagues. Et pourquoi des agents secrets? Prendrait la peine de s'intéresser à des intellectuels? La Death Drop Mafia. Kurawaki a réussi et a grandi beaucoup trop vite. Il est assez puissant pour créer sa propre armée. D'après nous, Kurawaki a trouvé un soutien puissant. La Death Drop Mafia? C'est eux derrière Kurawaki? Je vois que vous en avez déjà entendu parler. Ils sont si puissants qu'ils contrôlent l'armée des États-Unis, la plus grosse de toutes les mafias. Une internationale des Yakuza. Autant nous demander d'assassiner une grand-mère dans la rue. Le patron a eu du nez de nous l'envoyer maintenant. Kurawaki ne l'arrêtera jamais vivant. Si jamais il se réveille, rien ne pourra l'arrêter. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai l'impression que l'hyperanesthésie n'a aucun effet. Pas grave, tu vas crever, Shuzo! On dirait qu'il s'est réveillé. Ah, une seconde! Dites-nous ce que vous lui avez fait subir là-haut! Ça crame là! Ça crame là! Ça brûle! Ça brûle! Aïe! Détruisez-le! Putain, ça brûle! Shuzo n'est plus l'homme que vous avez connu. C'est mes doigts, ça! Nous lui avons implanté ce que le Japon fait de meilleur. C'est l'absolu Yakuza. L'absolu Yakuza? Putain, c'est quoi ce truc-là? Ah, c'est chaud! Shuzo? Vu toutes les interventions bioniques qu'il a dû subir, il doit souffrir le martyr. Nous devions inventer quelque chose pour contrer les dernières armes de la Death Drop Mafia. On lui a greffé une technologie complètement inédite. Oh, chien, je vais vous faire des coups dans la gueule. Son L16 Vulcain est un véritable pulvérisateur d'êtres humains. Et son genou cache une merveille. C'est parti pour une rossée à l'ancienne. Un vrai lance-roquette en chien. Ça fait super mal.
Wilson est resté un pauvre infirme. Grâce à nous, il est plus fort qu'il ne l'a jamais été. Vous pouvez nous remercier. Il a coûté plus cher qu'une guerre entière. Chazo? Qu'est-ce que toi et tes potes m'avez fait? Vas-y, tue-moi. Mais avant, rentre-toi bien dans le crâne, que de toi dépend l'avenir du Japon. Chozo, explose-le! Ils se sont servis de toi comme d'un rat de laboratoire! Tue-le! Oui, je vais te tuer. Réfléchis bien, Chozo. En fait, je te remercie, Tigre Rouge. Ça déchire ce nouveau corps! C'est de la méga balle de Thierry, bordel! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu fou? Petit chef, est-ce que ça va? Ça va, t'as pas trop flippé? C'est vrai, j'ai un peu flippé au début. Ça fait des doigts un peu bizarres. Sauf que je suis invincible maintenant. Je suis devenu le plus grand des Yakuza! Prends ça! Vous êtes sûr que c'est celui qui nous... Il ne fait jamais d'erreur. Préparons-le pour la prochaine attaque. Chozo, tu vas vraiment aller te battre comme ils te l'ont demandé? Bah ouais, évidemment. Je vais pas faire des pizzas. Regarde, c'est pas la classe, sérieux. T'as toujours eu beaucoup de classe. Et sans ça... Je sais, et même pour être le plus fort, j'ai pas besoin de ça. Mais maintenant, je bosse pour le gouvernement japonais. Et je suis un nouveau genre d'homme. Et je suis le premier Yakuza fonctionnaire. Ton père voulait que tu prennes la tête de la famille. Tu te souviens? Chozo, fais ton choix, maintenant ou jamais. Je parle de ce que nos parents ont décidé pour nous. De notre... Tu vois quoi? De notre mariage. C'est nos parents qui ont décidé à notre place. On est encore jeunes et plein d'avenir. Et nos parents sont morts et enterrés. Faut que tu arrêtes de t'accrocher au passé comme ça, c'est nul. Chozo! Ferme-la, espèce d'idiote! Je m'inquiète pour toi, moi! Les hommes de pouvoir,
tais-toi. Envie de me fatiguer, c'est ça. Je pêche que du gros poisson. Kurawaki. Oh, c'est quoi cette odeur? C'est du gaz, je crois. C'est pas du gaz qui va effrayer un vrai yakuza. J'aurais pu être défiguré beaucoup plus que ça, pas vrai. Oh la vache. Nayoko. Je suis vraiment comme un dingue quand tu es là. Mais toi, tu n'as jamais daigné poser le regard sur moi, pas une seule fois de toute ta vie. Mais mon petit poney, là, ça va changer. Tu m'appartiens. On ne se séparera plus jamais. Je suis heureux. Finalement, tu m'appartiens. Je suis désolée. Mais si tu crois que t'es plus attirant uniquement parce que t'as des tuyaux dans la tronche, tu te fous carrément le doigt dans l'œil. C'est très mal de parler comme ça. C'est pas grave, Tatsuyuki. Nayoko, tu m'excites tellement que j'en bats. Encore ce débile! Dis, tu crois que t'as vraiment une chance de battre Shozo? C'est plus le Shozo que tu connaissais. Si j'étais toi, j'abandonnerais. J'ai justement un petit bijou extra. Shozo, cette fois-ci, mon petit gars, c'est la fin!
s'amuser bien. Tant pis pour eux. Où il est cet enfoiré de Kurawaki? Il est dans un camion, sur le parking. Alors on va se le faire. Ne le tuez pas. Je le veux vivant. Il détient des informations. Ah, désolé. Je vais lui dévisser la tronche. Attends, Chozo. Je ne suis pas naïf. J'ai pris des précautions pour toi. Si j'appuie sur ce bouton rouge, ta vie s'arrêtera instantanément. Alors, tu vas faire ce que je te... Que tu peux être naïf, mon pote. Personne ne dit jamais ce que je dois faire. Garde-le en vie, Chozo. Prépare ton cercueil. Kurawaki! Et à point? Je vais m'occuper de ça. Vous, vous restez là. Eh, mademoiselle, je vais te buter comme... C'est vrai que vous êtes nue, dites donc. Allez vous rhabiller, hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire, vos parents? Allez vous acheter des fringues. Sérieux, c'est pour moi. On se battra ensuite, ok? Ben merde. On s'est déjà vu avant, non? Viens ici. C'est quoi ça? Un petit chef! Était blessé! Le salaud s'est payé de bons assassins! Mais au petit déjeuner, je m'en fais sonder comme ça! Où est-ce qu'ils sont passés? Oh, petit chef, c'est pas des amateurs! Reste concentré! Je sais!
ninjutsu, on est le genre de mec qui se bat à main nue. Personne n'a jamais tenu aussi longtemps contre moi. Et ça va pas commencer. Chozo, tu es le dieu du tonnerre, et moi je suis le dieu des tempêtes. Chaque fois qu'on se rencontre, on se bat. Nous vivons pourtant sur les mêmes nuages, tous les deux. Ça, c'est de la phrase. Tetsu, tu te souviens? Quand on se voit, on se bat. On essaie de tuer l'autre. Maître Waki, quel honneur de vous revoir. Si on m'avait dit qu'on vous reverrait un jour sur vos deux pieds, je ne l'aurais pas cru. Mafia pour mettre le Japon à genoux et sous mes ordres. Ce truc-là va faire des merveilles.
Cette arme ultime annihilera toutes les autres armes. Elle seule est capable de venir à bout de l'absolu, Yakuza. Une tête nucléaire. Ça sent la fin du monde, ton truc, là. Regarde cet objet superbe. L'homme qui tenait le Japon dans ses mains, le contrôle en son sein. C'est pas de la poésie, ça. Cet homme vieux, mort et enterré, représente à lui tout seul la vraie menace nucléaire. Vous êtes une meilleure. Atomique Yakuza. Dans la distribution de fessées par ici. Depuis quand tu nous observes, toi? Oh, Shoto! T'es pas censé me faire la gueule pour un truc, toi, ou je sais plus quoi? Connard! J'ai pigé, Kurawaki. T'essaies de me tuer, en fait, c'est ça, hein? Regarde bien. C'est quoi encore ce machin? On appelle ça un détonateur de charge nucléaire. Si je meurs, tout explose. J'ai appelé cette chose-là... La grosse bite de la mort. C'est bon, arrête ton chat. Tout ça, c'est du blabla, Kurawaki. J'ai bien l'intention de t'anéantir, quoi qu'il puisse en coûter. Si tu me tues, nous mourrons tous. Je sais que tu es un gros débile, mais même une salpine d'ours comme toi peut comprendre. Touche-moi la bite juste un peu, et la tête nucléaire va exploser. Tu n'as plus le choix, Shozo, tu es terminé. Admets que tu as perdu la partie. Mets-toi à genoux et implore-moi. Je suis le fils de mon père, après tout. Je ne vis qu'au travers d'une seule règle. Tu es un bon fils, finalement. Tu es un vrai Yakuza. Et maintenant, agis, Shozo. Kurawaki. T'as pas bien saisi qui j'étais. Tu essaies de me provoquer en duel comme un lâche, et tu veux que je renonce à me battre. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis un Yakuza, mon pote. Peu importe si je me bats contre une tête nucléaire, je vais me battre jusqu'à la mort! Shozo, explosez! T'as pas compris, c'est ça? Là, on parle de nucléaire! Ça tue ce truc! Va chier, puceau! Ta gueule! Vous pouvez faire ce que vous voulez, moi je suivrai Shozo où qu'il aille! Et si je dois aller en enfer, eh ben j'irai! Merci, Mayoko. Ça, c'est une vraie fan de Yakuza! Tu vas pas? Tu vas aller brûler en enfer! Attends! Thank you.
ça, vous êtes des membres du Waki. Pas du tout, non, c'était juste pour... parce qu'en fait, on avait une toute petite affaire à régler avec la famille Waki, c'est pour ça. Non, mais vous vous êtes vu? Qui porte encore ses fringues à la con? Un vrai Yakuza ne s'habille pas comme une face de fion. Aujourd'hui, on tue avec de la classe. Et sinon? Est-ce que on pourrait savoir ce qui est arrivé à la famille? Quand leur chef a été assassiné, la famille s'est délitée. Et puis nous voilà, la famille Shimada, messieurs. Les Kurawaki et les Shimada. C'était les hommes de main du fils du chef. Il est parti trop longtemps, alors ils se sont installés à la tête de la famille. Vous avez compris, monsieur Kurawaki est le chef suprême des Yakuza. Alors maintenant, cassez-vous! Qui est derrière toute cette connerie? Pas d'insolence ici! Hé, les gonzesses! Personne ne vous a jamais dit que le fils du Waki était un beau gosse, pas vrai? Qui c'est ce mec? Fermez-la un peu! Qu'est-ce que c'est que ce boxon? Qui sont les enfoirés qui me dérangent pendant que je pose ma pêche? C'est eux, les associés du Waki. Le grand là, il arrête pas de parler du fils du Waki. Le vieux avait un gamin, vraiment. Ce gros con de Chozo, c'est ça? Cette grosse pine vitre serait encore vivante. On dit que sa mère a oublié de lui faire un cerveau. Il fermait les yeux et il fonçait dans le tas. Un vrai petit clébard derrière une voiture. Mais devant moi, il baissait son froc, en se frottant à ma jambe et en miaulant comme un petit chat. Vous êtes trop fort, j'étais juste un petit chat fou dans ma chenille. Miaou. Kurawaki, si ce n'était pas pour tendre la main à tous les chefs de famille Yakuza. Nous avons veillé sur toi depuis que tu es tout petit. Et c'est comme ça que tu nous remercies. Je vais être très clair avec vous. J'essaie simplement de vous protéger de vous-même, c'est tout ce que j'essaie de faire. Et en échange, vous me remerciez en décidant de rejeter mon offre. Les pistolets et les sabres, tout ça est devenu complètement obsolète. Aujourd'hui, c'est le business, notre maître à tous. Comment oses-tu parler des Yakuza comme... Non, il a raison. Pour résumer ta pensée, tu veux que toutes les familles soient réunies sous ton nom. Seulement aucune famille du Japon ne l'acceptera. Si tu veux vraiment le contrôle total, tu devras déterrer la hache de guerre. On m'a dit que tu avais trahi Iwaki. Alors, les hommes qui ne respectent pas les règles, nous avons une façon de les traiter, si tu vois ce que je veux dire. Le Jingi, c'est ça? Le business ne souffre d'aucun sentiment d'aucune sorte. Disons que c'est plutôt ça, mon Jingi. On perd notre temps. Allons-nous-en! Vous êtes trop vieux et trop faible pour agir. Acceptez le cours du temps. Chozo, mon vieux pote d'être toujours, pitié! Shimada, tu n'as jamais eu assez de couilles pour organiser un tel coup d'état tout seul. Alors, Kali, où on en est? Ton 18 par 4, il n'y aura aucun signe dedans. Je jure que j'ai rien fait du tout. Je gère ce magasin de faux crédit, rien d'autre. Ah oui, force du vent, zéro. Joli swing. Oui, je crois que c'était pas trop mauvais comme coup. Chozo, arrête, je t'en prie. C'est pas moi qui t'ai tombé. Donc c'est l'autre trou du cul qui a buté mon vieux. Nayoko,
Si tu savais comme tu m'excites. Quand t'étais encore au collège, je mastiquais tout le temps en pensant à toi. Kurawaki, tu me débectes. Tes parents t'avaient promis en mariage, comme le veulent ces vieilles traditions débiles. Et je n'étais pas assez gradé pour être autorisé à te parler. Je suis sûre qu'il va revenir. Est-ce que tu me trouves plus à ton goût aujourd'hui? Je préférerais encore épouser une mitochondrie en fin de vie plutôt que de me marier avec toi. Au milieu des années 50, alors que le Japon panse encore ses plaies, des bandes de criminels terrorisent le pays tout entier. Ils s'organisèrent vite et devinrent les Yakuza. Cette société parallèle est régie par des règles très strictes de loyauté et de chevalerie. On les appelle le Jingi. Celui qui viole le Jingi est voué à toute une vie de représailles et de tourments. La voix du Jingi régit la vie et la mort de chaque Yakuza. Je comprends pourquoi. On t'appelle Mad Dog. C'est bien ça. Iwaki. Chozo. Et vous, vous êtes qui? Dites-moi. Disons qu'on travaille pour le gouvernement japonais. On vient t'apporter des nouvelles de ton père. Il y a 6 mois, ton père, le chef de la famille Iwaki, a été assassiné pendant le conseil des Yakuza de l'Ouest. Il a reçu 88 balles dans le corps. Mais ça ne l'a pas arrêté. Il s'est vengé. Juste avant que son cœur arrête de battre, il a regardé le ciel et il t'a appelé. Chozo! Quelle vieille chialeuse! C'était un vieux crouton. Espèce de bon à rien! Pour qui est-ce que tu te prends? Ton âge d'or est terminé. Tu n'es plus rien. Laisse-moi tout diriger. Et va plutôt apprendre la couture! Sale petite raclure arrogante! C'est tout ce que tu auras! D'accord, ça me va. Tranche-moi la gorge! La prochaine fois que tu oses venir me voir, je le ferai! Tu devras me tuer ou tu devras mourir! C'est bien ce que je comptais faire!
après 1964 ans. Moi, je suis prêt à parier que toute la famille va être enchantée de nous voir. Et pourquoi ils appellent ça Crédit du Soleil Levant maintenant? Avec les Crédits du Soleil Levant, l'avenir devient plus rose. Soyez les bienvenus. Allez-y, veuillez me suivre, très cher monsieur. Entrez, entrez, entrez. Bienvenue au Crédit du Soleil Levant. Allez-y. Entrez, monsieur. Excusez-nous. Mais c'est pas pour un prêt qu'on est là, hein? D'habitude, cet endroit ici, c'est bien le bureau officiel de la famille Iwaki. Alors, comme ça... tous les os avec. En japonais, on appelle ça le kejime, mon pote. Kejime?